Comme à chaque année, les finissantes de la vocation Art de la scène de l'École de la montée de Sherbrooke présentent leurs pièces de théâtre de fin d'études. Mais cette fois, il y a une spectatrice bien spéciale dans la salle. Ce soir, on a une grande vedette qui s'appelle Abigail. Vous avez sûrement entendu un petit peu parler de son histoire. Abigail, 9 ans, a appris il y a 6 mois qu'elle était atteinte d'une maladie inflammatoire très rare qui affecte son système respiratoire. Merci pour les cartes puis le cadeau. Pour venir en aide à la famille, les élèves ont décidé de remettre une part des revenus de la vente des billets lors des 2 représentations. Et ils avaient aussi quelques petits cadeaux, quant à y être. Donc on t'offre 1 000 $ pour pouvoir, à toute la famille, que vous puissiez profiter là, des beaux moments pour vous autres. Merci. Merci, les filles! C'est tellement touchant, là, ce que vous faites. Bien, c'est un peu tout en même temps. On est heureuse, on est super émue. On aimerait ça en faire beaucoup, mais on fait comme on peut, là. Ça rend un grand service. Abigail doit prendre plusieurs médicaments par jour qui lui causent des maux de tête, de l'enflure et un retard de croissance. On y va au jour le jour, c'est vraiment ce qu'on nous a dit. Et puis, pour ce qui est des traitements, bien, il y a corticostéroïdes qui sont là depuis le mois de novembre. C'est une maladie super rare, puis je pense que pour n'importe quelle famille, pour n'importe quelle maladie, je pense que c'est important de venir en aide à tout le monde. Comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu te sens bien? Oui, je me sens bien. T'as une belle dose d'amour, là. Oui. Oui, ça fait du bien. Oui. L'idée de réaliser cette collecte de fonds revient à leur enseignante et metteur en scène, Danielle Bérard. Ils ont embarqué immédiatement. Ils étaient très, très touchés parce que Myriam est venue nous parler. Elle est venue nous raconter un petit peu l'histoire d'Abigail. Puis tout de suite, ils ont été touchés par cette histoire-là. Ça vient me chercher droit au cœur, puis ça fait voir que c'est la réalité, puis que ça fait du bien de voir qu'on aide des gens. Tu sais, c'est des petits gestes qui font en sorte qu'à un moment donné, bien, on peut aider des gens comme elle, puis je suis vraiment content. Qu'en est-il de la pièce de théâtre? Eh bien, c'était une interprétation de Conte de la jeune fille de Jimmy Doucet. À la fin de la soirée, les 2 représentations auront permis de défrayer pour Abigail une partie des coûts des médicaments et des hospitalisations à Sainte-Justine, ainsi qu'un séjour dans un camp de vacances spécial pour enfants malades cet été. William Levasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke.